Cédric Kodjo a succédé à Simon Kango au titre de meilleur joueur du Challenge AFI du mois d'août. Pour les dernières journées de Ligue 1 ivoirienne, c'est lui qui a le plus été en verve. Le jury de ce prix a donc désigné le joueur du CV Sport de San Pietro comme étant l'homme qui a porté les portuaires dans les dernières heures de la saison 2015-2016. Il a reçu son trophée vendredi dernier des mains des partenaires du football ivoirien. À cette remise, des grands noms du football ivoirien étaient présents pour soutenir l'initiative de Cyril Domouro et de son équipe. Ben Badi, Olivier Capo ont tenu à saluer ce projet noble et encourager les jeunes footballeurs ivoiriens à suivre les voies tracées par l'Association des footballeurs ivoiriens. Je suis content d'être là et puis surtout encourager les jeunes qui viennent gagner le trophée. C'est pas donné à tous les footballeurs. Il faut en tout cas le féliciter, l'encourager et que ça soit le début d'une grande carrière. Que ce trophée ouvre les portes pour les portes des agents pour à ce qu'il puisse étoffer tout son talent sur tous les stades en tout cas. En tout cas, félicitations à lui et puis moi je suis content de venir là, de me sentir pour une fois ivoirien. Surtout, ça fait vraiment plaisir. Moi je crois que déjà il faut encore continuer sur cette lancée parce que ça permet aux footballeurs d'encore, c'est un challenge, de se donner plus et de donner la meilleure image d'eux-mêmes. Et surtout du football ivoirien. Pour moi, c'est un partenariat, franchement, gagnant-gagnant, et qui est encouragé. Et je crois que vive le partenariat AFIPRO CIE.